Je suis là pour vous servir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui donc une très grande nouvelle pour notre assistant Google. Depuis le 13 décembre vient de tomber une mise à jour et vous allez voir que dans cette vidéo, cette mise à jour peut être très appréciable par beaucoup de monde. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes, à vous abonner à la chaîne Vision High Tech. Et je vous remercie de prendre toujours un peu de temps sur ma chaîne. On va donc partir directement sur ce tuto et vous allez voir que cette mise à jour sur votre assistant va vous aider si vous êtes un grand voyageur. Alors c'est parti, mais pour l'instant, place à l'intro. Comme je vous ai dit, une mise à jour depuis le 13 décembre vient de faire son apparition par rapport à notre assistant. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, avec notre Google Home, notre Google Nest Hub, que ça soit ici le 7 pouces ou le 10 pouces, on avait la traduction instantanée. Alors attention, ce n'est pas donc l'application traduction de Google que l'on va parler, mais bel et bien de la traduction instantanée. Ceci, on l'avait depuis le début de l'année 2019 sur tous nos assistants, Google Home Mini, les Google Home Nest Hub, les Google Home Classiques, etc. D'autant plus que cette traduction instantanée est quand même dotée de 44 langues, ce qui n'est vraiment pas négligeable si vous êtes quelqu'un qui voyageait dans beaucoup de pays. Mais si vous avez envie d'apprendre une langue, pourquoi pas passer par ce tuto, pourquoi pas passer par cette technique et je vais vous la dévoiler tout de suite. Car maintenant, cette traduction instantanée vient de faire son apparition sur tous nos smartphones. Alors quand je dis tous nos smartphones, c'est bel et bien les smartphones sous Android comme ici le Galaxy S8 ou sur notre iPhone si vous avez installé l'application Assistant. Vous pouvez donc maintenant utiliser sur votre mobile la traduction instantanée. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir discuter avec plus de 44 langues. Vous allez donc pouvoir discuter avec plus de 44 personnes parlant une autre langue que la vôtre. Ça, c'est franchement génial et c'est sur tous nos smartphones iOS, Android. Vous allez pouvoir, par exemple, apprendre une langue sans avoir besoin d'aller dans le pays. Et ça, c'est franchement cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, pour rappel, pour utiliser donc cette commande, vous pouvez dire à votre assistant soit mon interprétant, soit mon interprète. Il vous demande en quelle langue vous désirez qu'il soit votre interprète et vous pouvez entamer une discussion avec n'importe quelle personne. Alors, je répète, je précise bien, on ne passe en aucun cas par l'application traduire. Avec cette technique, par exemple, vous écoutez une vidéo YouTube en anglais, en espagnol, en italien, en ce que vous voulez, vous mettez votre smartphone à côté et en temps réel, il va vous traduire ce que dit la personne sur la vidéo. Ça peut être vraiment sympa. Vous écoutez un film qui n'est pas en français, vous pouvez donc en même temps le faire traduire par votre smartphone. Ça peut être une solution sympathique. Aujourd'hui, vous pouvez donc acheter de tout petits appareils qui sont des traducteurs à la volée. Mais maintenant, avec votre smartphone, vous n'avez plus besoin de ces traducteurs, vous pouvez passer directement par l'application Assistant. On va tout de suite le faire et voir comment ça se passe. D'ailleurs, je vais demander avec différentes langues, dites-moi en commentaire si la traduction a été bonne pour les personnes qui sont dans d'autres pays qui regardent ma chaîne. C'est parti. On va tout de suite passer par la traduction et vous me direz dans les commentaires si la traduction a été juste pour chacune des langues que j'ai utilisées. C'est parti. Soit mon interprétant. Choisissez dans quelle langue vous voulez que je traduise. Anglais. Bien sûr, l'anglais. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech et bienvenue sur YouTube. Hello everyone and welcome to the Vision High Tech channel and welcome. Et surtout, pensez bien à vous abonner. And above all, remember to subscribe.
Stop. D'accord, j'arrête la traduction. Voilà pour l'anglais. On va passer dans une autre langue. Choisissez dans quelle langue vous voulez que je traduise. Arabe. Très bien, l'arabe. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que ma chaîne vous plaira et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. مرحبا بالجميع ومرحبا بكم في قناة يوتيوب وأمل أن تكونوا مثل قناتي. Merci de prendre toujours un peu de temps sur mes vidéos et à bientôt pour une prochaine. يرجى دائما تأخذ قليلا من الوقت. Choisissez dans quelle langue vous voulez que je traduise. Espagnol. Très bien, l'espagnol. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout pensez bien à vous abonner. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube y sobre todo piensen bien. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Gracias a todos y hasta pronto para un próximo video. Stop. Choisissez dans quelle langue vous voulez que je traduise. Italien. Très bien, l'italien. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et surtout pensez bien à vous abonner. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale e soprattutto. Merci de prendre toujours un petit peu de temps et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Per favore, prenditi sempre un po' di tempo. Ouverture de l'application traduction. L'application traduction n'est pas du tout la même chose que demander à votre Google de devenir votre traducteur en temps réel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une nouveauté qui vient tout juste de tomber depuis quelques jours, depuis le 13 décembre. Je vous en fais profiter. Tout ce qui concerne le Google Home, le Google Assistant, vous savez que c'est ma passion. Vous savez que c'est la passion de Vision High Tech. Alors pensez bien à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !